Salut. À l'instant, à l'instant. Oh là là, j'y sais rien. Je suis contente de te trouver. Dis, j'avais peur que tu sois pas là. Je me suis dit, ce serait con quand même qu'elle soit pas là, hein, alors que je suis venue exprès, hein. C'est pas possible, t'es en train de déménager. Quoi? Non, j'ai dit, tu aurais pu téléphoner. Eh bien, justement, j'ai acheté un téléphone portable exprès pour l'occasion. Oh, mais comme une gourdasse que je suis, dit, j'ai rien compris à la notice. Et en plus, ça t'appelle Bécassine. Quoi? Non, je dis, tu aurais pu appeler d'une cabine. Bah, si tu m'avais téléphoné, j'aurais pu m'organiser et même venir te chercher. Oh, ça c'est gentil. Mais dis, es-tu la petite à ta maïté que je venais? Parce que moi, elle m'a dit qu'elle allait te téléphoner pour te le dire, hein. Si, ma mère m'a téléphoné, ah bon, mais j'ai eu qu'une partie du message. Tiens, bien, ça c'est pour toi, tu vas voir. C'est gentil. C'est de la part de ta mère. Tu vas voir. Mais, regarde, du magré. Oh. Du foie gras. Des frites. Oh. Que des bonnes choses. Tu verras. Et ça, c'est de ma part. Ah, mais c'est gentil, Janine, mais il fallait pas. Mais c'est rien, mais regarde. Attends, regarde. Viens voir. Attends, qu'est-ce que c'est ça, Janine? Prends ça, tu vas voir. Viens. Attention, hein. 1, 2 et 3. T'es... Hop, le chien, il est tombé. Hein. Regarde. Janine, pourquoi tu as mis une poupée dans la cage? Ah non, ça, c'est pas une poupée, hein. C'est Ken. Ken, le mec de Barbie. Ah, c'est vrai, j'avais compris. C'est pour avoir un petit copain et surtout pour le garder. C'est curieux. Ouais, mais c'est un petit truc à moi que je me suis inventé. Tu vois, le soir de la Saint-Valentin, à minuit pile, tu prends un Ken qui te plaît, et tu le fais courir 7 fois autour de la cage et hop, tu le mets dedans et voilà. Et ça marche? Non. Mais ça coûte. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que ce week-end, j'organise un dîner très important ici même dans cet appartement et. C'est pas vrai? Tu m'invites? Ah bah, vraiment? Oh, alors là, c'est pas vrai, c'est pas un dîner. Oh, je suis à peine arrivée et toi déjà, tu m'invites à dîner. Oh, c'est sympa ce que tu fais pour moi, la Ghislaine, non? Alors, alors. Ghislaine. Mon prénom, c'est Ghislaine, pas Ghislaine, ok? Attends, t'as changé de prénom, t'as fait comment? Je n'ai pas changé de prénom, c'est simplement qu'ici, à Paris, on prononce Ghislaine. Paris! Arrête, s'il te plaît, moi, justement, je ne peux plus supporter tous ces gens-là et tout ce vacarme. Oh ben, d'ailleurs, si tu l'entends bien, dans le mot vacarme, tu as le mot arme. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, quitte à choisir, autant vivre à l'époque des hommes préhistoriques, avec ce bon vieux Néandertal ou Cro-Magnon. Le gros quoi? Cro-Magnon. Bon, écoute, laisse tomber, tu t'installes, tu fais comme chez toi, ok? Non, dis ça, j'oserais pas, parce que chez moi, je déballe tout et je commence à trier mes affaires par terre, alors... Oui. Ah, dans ce cas, tu fais comme chez moi, mais tu m'excuses s'il faut absolument que je travaille. Ah bon? Si tu veux, je peux t'aider, hein? Ah non, ça, je crois pas, non. J'ai une série de castings bientôt et j'ai une tonne de textes à apprendre, alors... Ouais, mais si tu m'expliques ce qu'il faut faire, moi, je veux bien t'aider. Moi, pourquoi pas, après tout? Dis, c'est quoi un casting? Un casting, comment te dire, tu apprends un rôle, ouais. On t'essaie et si ça le fait, on te garde. Et si ça le fait pas, ça fait que tu as appris pour rien. C'est bien ça le problème. Mais ça arrive souvent. Si tu savais. Mort, tu me donnes la réplique? La quoi? La réplique, c'est le texte que tu dois me dire. Moi, je dis le texte qui est surligné, là, tu vois, toi, tu vérifies si je le dis bien. Ah, ben d'accord, c'est facile, hein? En principe, oui. Samantha, tu crois vraiment que Steve est amoureux de moi? Oh oui, Jessica, tu peux me croire, il me l'a dit. Oh putain, ça j'adore ça, tu vois, je comprends bien, hein. On continue? Ouais, ouais. Mais que t'a-t-il dit au juste? Qu'il voulait un enfant de toi. Quoi? Qu'il voulait un enfant de toi. Quoi? Qu'il voulait un enfant de toi. Quoi? Non, qu'il voulait un enfant de toi. Non,
mais tourne la page. Oh pardon, Ghislaine, mon Dieu, je suis conne, moi, des fois. Tu vois tes galettes là, dit. On dirait des morceaux de polystyrène. Ou mieux même, une hostie. Mais pour ceux qui ont fait de très très gros péchés. Hein. Ouais, ta salade, elle. Elle a pas l'air en forme, hein. Mais n'importe quoi, là. Là, c'est une salade qui vient directement de la terre. C'est pour ça qu'elle a cette gueule. Dis, peut-être ça aurait été bien de la laver avant, non? Je sais très bien ce que tu essaies de me dire, Janine, mais c'est hors de question, tu m'entends? Non, mais à t'entendre, on mangerait du canard à tous les repas. Non, mais tu sais, Janine, il n'y a pas que le canard dans la vie. Ah, mais je sais. Il y a aussi le poulet fermier. Loa. Oh, la pentade. Tu sais très bien ce que j'essaie de te dire. Ne te fais pas plus bête que tu n'es. Je commence à te connaître, tu sais. Ouais, ben ça fait une semaine que je suis là, et ça fait une semaine que j'ai fait. Bon, Janine, ça fait une semaine que tu habites chez moi. Je ne te chasse pas, mais il devient évident que tu n'as plus grand-chose à faire ici. Et tu vois bien qu'il n'est plus très utile maintenant que tu restes ici. Oh, tu m'as fait peur. Oh. À un moment, j'ai cru que tu voulais que je parte. Oh, elle était... Tiens, bon, écoute. Sandy, c'est pas un dîner qui va décider toute ta vie. T'en organiseras d'autres, des dîners. Non, mais plus jamais. Tu m'entends? Plus jamais. Ah, si. Seulement, tu vois, il faudrait peut-être un peu changer le menu. Hein. Tu vois, je sais pas, moi, tu pourrais faire... Du canard. Eh ben oui. Ah, mais certainement pas. Enfin, quand même, c'est pas un dîner, là, qui va décider de ta vie. Tu peux réussir par d'autres moyens. Tu es belle. Allez, tiens, tu t'as là. Mais tu dis ça parce que tu m'as jamais vu jouer. Non, mais sur scène, j'en fais toujours des tonnes. J'ai une boîte chiotte. Je me déplace comme un malin. Et puis, j'ai autant de présence qu'une serpillère. Non, dis, il faut jamais dire du mal de soi, ça porte malheur. De ce côté-là, je suis servie, merci. Mais qu'est-ce que je vois, là, hein? Que tu es toute prête à t'écrouler comme une merde? Eh ben non, allez, ça, je l'accepte pas. On se relève et on y croit, allez. Désolée, ma petite Janine, mais j'y arrive pas.
Ben, je vais te dire ce que t'as en vérité. Tu as peur. Tu as peur de compter que sur toi et tu préfères compter sur un con. Mais toi, quand t'as une idée derrière la tête, tu la lâches pas. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je comprends pas comment tu peux rester accroché à un con pareil. Hein. Mais pourquoi veux-tu absolument qu'Arnaud soit un con? Ah, mais moi, je veux pas, hein. Mais c'est un con, c'est tout. Moi, quand j'ai le cafard, c'est pas compliqué. Je pense à quelque chose de joli et hop, c'est fini. De suite, je suis de bonne humeur. Demande-leur aux méchants d'en faire autant. C'est eux qui sont tristes tout le temps. Il n'y a que quand ils font du mal qu'ils sont contents. Regarde-les là tous. T'as bien de la chance, ma petite Janine. J'aimerais bien faire comme toi. Oh, il est gonflé le mec. Attends, mais c'est pas fini, attends, il s'est mis à me draguer ce naze. Il me regarde et il me dit c'était pas mignon tout ça. Alors là, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit méfie-toi, parce que dans mignon, t'as gnon. Ah, c'est bon ça. Tu parles, je sais pas ce qu'il lui a pris, il sort un truc du genre, moi quand je fais l'amour, c'est interminable. Tu m'étonnes, je lui ai dit, parce que dans interminable, t'as minable. Ah, ah, ah.